Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui du mardi 24. Nous sommes aujourd'hui 24. Vous voyez le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que nous sommes à Côte d'Ivoire et précisément dans la région de Tchassalé et Ndoussi, dans la ville d'Ndoussi. Nous allons à Ouya. Ouya, qui est un village de Ndoussi, qui est pratiquement à 10 km de Ndoussi. Donc vous voyez un peu, la voie est impraticable. Vous avez juste à côté ici le président de la Confédération. Le président de la Confédération de Général de la Brigade anti-sorcier, le président Seko Paulin, le président de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Vous avez ici le maréchal de la Brigade anti-sorcier. Nous effectuons ce matin, n'est-ce pas, cette mission. Une mission où nous rendrons visite à une famille pour l'aider spirituellement parlant. Nous avons démarré, comme je disais, nos activités au niveau des villages. Donc le premier village cette année, c'est Ouya. Voilà, Ouya. Il est vraiment important pour nous d'évangéliser les villages, de nous rapprocher des parents, leur sensibiliser contre ce phénomène qu'on appelle la sorcellerie, leur amener véritablement à la crainte de Dieu, à accepter Jésus. Donc vous voyez, les difficultés sont énormes. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des engins afin de pouvoir nous déplacer. Vous voyez, des moments rapides. C'est vrai qu'hier nuit, nous avons passé la nuit, nous avons passé hier cette nuit à Tchassalé, parce qu'il n'y avait pas des hôtels. Qui pouvait vraiment nous recevoir, qui était vraiment bien. Nous avons passé la nuit à Tchassalé, qui n'est pas loin derrière de Ndoussi, et notre mission ce matin. J'ai des bains divins là-bas hier nuit, mais sous l'ordre du Saint-Esprit, nous avons dû faire reboucher le chemin, le temps de s'apprêter encore et nous engager ce matin. Donc nous sommes à 7 heures, nous sommes pratiquement 10 heures moins, à cette date du mardi 24 février 2015. Nous allons à Ouya pour une mission de délivrance, voilà, voilà, d'une famille de Kodjo, M. Kodjo depuis les États-Unis, voilà, M. Kodjo depuis les États-Unis, qui a sollicité notre aide, Dieu nous a mis à cœur de rentrer dans le village, afin de pouvoir aider ce village, voilà, donc voici la mission, affaire à suivre.